au sud de France, en passant par l'Espagne et le Portugal, pour aller en Russie. Jacques de Saint-Phalle a fait partie du groupe de chasse Normandie-Niémen, seule unité aérienne de la France libre, engagée sur le front de l'Est aux côtés des Soviétiques entre 1942 et 1945. Le groupe de chasse le plus titré de toute l'histoire de l'aviation française. Il fallait que j'aie un certain nombre d'heures de vol pour être intéressant. Si j'avais été élève pilote, ça ne les aurait pas intéressés. Alors dès le début, j'ai dit que j'avais 700 heures. J'ai continué mon mensonge jusqu'à Londres et jusqu'à Moscou. Je déroule avec lui l'itinéraire particulier d'un homme qui a su forcer le destin, l'histoire d'un jeune homme qui voulait être moine et qui devint aviateur. C'est mes camarades qui m'ont entraîné sur le front pour être capable d'aller vraiment au combat. C'était l'occasion ou jamais, quoi. Bienvenue au Normandie-Niémen.